Wesh wesh canapèche. Je vous ai fait peur? Bon, j'en ai aucune idée, je voulais vous faire un zoom sur mon visage. Voilà, c'est tout. Comment ça va les gens? Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept plutôt sympathique. Même extrêmement cool en vrai. Minecraft, mais des blocs cheatés tombent du ciel. Et j'ai bien dit des blocs, pas des items. Donc voilà, c'est un plugin que j'ai trouvé qui va être sans doute très cool. Est-ce que j'ai un petit peu abusé sur les traits? Sans doute. Mais c'est pas grave. Comme d'habitude, si le concept vous plaît, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis aujourd'hui, je vais vous menacer avec une canne à pêche avec une carotte. Vous avez peur, hein? Faites gaffe, je vais vous pêcher. Ok, c'est éclaté contre un mur. Non, mettez quand même un like, hein. Faites gaffe, hein, je fais peur avec ma canne à pêche carotte. Bon, maintenant que je vous ai menacé, maintenant que vous avez compris le principe de cette vidéo, c'est parti. Pam, palam, pam, 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 pam. Les vidéos random de Ninjax. Ouais. Ok, normalement tout est good et il y a des petits blocs qui vont tomber du ciel. Ah, ça commence. Salut toi. Bon, premier bloc qu'on a, c'est un bloc nul en fait. Bon, c'est pas grave, c'est des blocs aléatoires qui tombent et il y en a beaucoup des cheatés. Donc... Par exemple, il y a des crânes de squelettes, mais bon, c'est autre chose. Alors, j'ai vu que là-bas, il y avait un village, j'ai eu une seed plutôt assez intéressante, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de faire du speedrun sur Twitch. Donc, si vous voulez me rejoindre, hein, il y a mon Twitch dans la description, et là, je pense que ça s'affichera sur l'écran directement. On s'amuse bien, et c'est cool, les lives avec moi. Rejoignez. En fait, non, c'est même pas... Ouais, juste rejoignez mon Twitch et venez me voir en live. Je live à peu près souvent, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, je crois que j'ai une bonne seed pour speedrun, là, en vrai, parce qu'il y a un village juste à côté. Mais sinon, nous, on va prendre des blocs cheatés. C'est pour ça qu'on est là. Alors. Oh, un truc assez intéressant, regardez, les blocs qui tombent sur des escaliers se cassent, comme vous pouvez voir ici. En vrai, je dirais pas non à des blocs de diamants, en vrai. S'il y en a. Mais il y en a pas. Bon, on va se faire un stuff de base, pour commencer, comme d'habitude. Hein. D'ailleurs, je note, hein, on m'a menti. Hein. Moi, on m'a dit des blocs cheatés. Pour l'instant, il y a que des blocs prismarine qui tombent. Comment voulez-vous que je me stuff, moi? Comment? Bon, en vrai, le plan, ça va être simple. Je récupère de la bouffe, je bute ce golem pour essayer de choper 5 de fer. Comme ça, je pourrais me faire une pioche en fer, et comme ça, je pourrais récupérer des blocs de diamants s'il y en a qui tombent. Il y en a qui vont tomber, mais je sais pas où et je sais pas quand. C'est quoi ce bloc? Bloc de puzzle? Et what the fuck? C'est un bloc que j'ai jamais vu dans ma vie. D'accord, ok. Bon, en vrai, on va essayer de speedrun le jeu. Je garantis rien parce que je suis quand même encore un peu nul. Mais franchement, ça peut être marrant. Donc on va prendre tous les lits. D'ailleurs, on va buter ce pauvre petit golem. Bah alors, nulos! Tu peux rien faire? Bam, t'es mort. 4 de fer, ok, je peux me faire une pioche. Oh! Il y a un bloc de netherite. Je peux même pas le ramasser, j'ai pas de diamant, non mais... Bon, ok. Là, on peut être vraiment pas mal. Il nous faut des blocs de diamant, ou des blocs de fer, ou juste des blocs pour ce stuff. Ok, on va se faire une pioche en fer, comme j'ai dit. Bam, voilà, nickel. Et regardez ce qu'il y a ici. Un minerai de diamant. Bon, plus que deux pour récupérer la netherite. En vrai, je me demande... Oh mon dieu, c'est une tête de creeper, j'en avoir peur d'une tête de creeper. Oh, mais je croyais que c'était un creeper qui était camouflé dans un bloc. Eh, vous avez peur de moi? Que... Moi, j'explose pour vous faire peur. Ok, c'était nul. Il y a un bloc d'émeraude ici, je le récupère au cas où quand même. Hein. Bon, en vrai, avec le bloc de fer et le bloc d'émeraude, il n'y a pas des villageois qui vendent des trucs d'ailleurs, tiens. Eh, hey, toi, tu vends quoi? D'accord, ils vendent de la merde, génial. Bon, en vrai, toujours en recherche de blocs de diamants ou de diamants. D'ailleurs, si vous aimez les challenges à la con un peu débiles comme ça, dites-le moi dans les commentaires. S'il y a beaucoup de personnes qui disent... Ah non. Mais j'ai le seum. Il y a un bloc de diamant à côté en plus. Oh là là. Bon, bonne nouvelle, on a trouvé un bloc de diamant, mauvaise nouvelle, je suis mort. Mais vas-y, ouais, comment je pouvais savoir qu'il y avait une source de lave ici, moi aussi? Est-ce que j'ai laissé un lit pour que je fasse passer la nuit au moins? Il y a un autre bloc de fer là, donc c'est good. Ah là là, moi qui voulais speedrun le jeu, haha, yes. Ok, j'ai une pioche en pierre, on récupère ça. Je me suis fait une pioche en fer et un seau. Ok, cette fois je meurs pas et je récupère le bloc de diamant. Et même occasionnellement, je fais le portail du nether. De souvenir, c'était par là-bas, mais je suis pas très sûr. Voilà, c'était là, parfait, le bloc de diamant. Bon, en vrai, je vais même flex en faisant le portail, hein. Voilà, je flex. Pourquoi ne pas flex alors que je peux flex? Bam, regardez comment je suis trop rapide. Vous êtes impressionnés? Bah, mettez un like. Bon, il manquera plus qu'un silex, ça sera good. Oh, jure. Regardez ce que je viens de trouver. Oh mon dieu, qu'est-ce que je viens de trouver, là? Une tête de Steve. Ah ah. Je suis pas Ninjax, je m'appelle... Steve. Eh ben, en fait, c'était moi. Ah, j'étais caché derrière. Ok, c'est ridicule. Faut que j'arrête, faut vraiment que j'arrête de faire des blagues comme ça. What? The rain is getting heavier, you will know 2 blocs a seconde. D'accord, plus le temps passe, et plus il y aura de blocs. Oh, c'est la merde, ça, un peu. Bah, en vrai, c'est pas réellement la merde. Ah oui, ça tombe deux fois plus vite, là. Ah oui, je reconnais, hein. Ok, bam, le bloc de diamant, on fait une pioche en diamant. On va récupérer le bloc de netherite, let's go. C'est vachement long, quand même, un bloc de netherite à péter, hein. Je viens de m'en rendre compte, mais c'est vachement long. Plus qu'à me faire du stuff en netherite, et c'est good. Et regardez ce qu'il y a derrière, une table d'enchant. C'est bon, le jeu commence enfin à me donner du stuff, là. Bam, viens ici, toi, comme ça, je pourrai m'enchanter. Oh là là, regardez ce qu'il y a là, il y a un autre bloc de netherite. Je suis désolé, je sais que ça me sert à rien de le récupérer, mais c'est l'appât du gain, vous savez, j'ai envie de le récupérer parce qu'il est là. Même si là, ce que j'aimerais avoir, c'est du diamant, le jeu. Mais plutôt bien, là, petit feu de camp, petit clair de lune, des blocs qui tombent du ciel.
nickel. Bon, moi je trouve que... Ah oui, ouais, j'ai encore changé de tête. Le principe, c'est à chaque fois que je vous revois comme ça, là, bah j'ai changé de tête. Ouais, j'ai une deuxième tête, je vais pouvoir peut-être invoquer le Wither. Ouais. Dans tous les cas, je pense que ça doit spawn aussi dans le Nether. Bah, je parle des blocs qui tombent du ciel. Donc, on va aller voir le Nether. Hop là, le petit briquet, on va dans le Nether, c'est parti. Yes! Le pire biome, j'adore. Et ça spawn aussi dans le Nether. Ah, mais c'est très clairement le pire biome, hein. Bon, on doit trouver un bastion, hein. Bon, je suis paumé, et quand on est paumé, on fait quoi? On utilise la technique du FOV pour trouver les entités. Ok, il y a 0-0, là, il y a 16. Par là-bas, devrait peut-être y avoir un truc. C'est vrai que c'est pratique, la technique du FOV, quand même. Ah bah. Ah bah, j'avais raison. voilà, la technique du FOV. Au petit... Oh yes, c'est un bridge. Yes, c'est un bastion bridge. Non, je veux pas mourir de feu, par contre. Si je meurs, je pète un câble, hein, je préviens. On va récupérer l'or, et on va faire des échanges avec les piglings. Non, pas toi. Ah, à l'aide. J'ai failli mourir, je vais mourir. Ok, il y a l'or qui est là-bas dans tous les cas. Hop, on se barre. Ok, nickel, c'est bon, on récupère l'or. Je suis en train de speedrun là, je reconnais là. Tu as trouvé une forteresse après, c'est good hein. Ok, attendez. Ils sont tous là, c'est parfait. 16 blocs. Tenez, prenez ça. C'est quand vous voulez, vous prenez l'or là. Va rejoindre tes potes toi. Ah, pourquoi il me tape. Il veut me taper, arrête. Non, je veux pas mourir. Tiens, prends l'or. Prends l'or. Non, il a pas envie de mourir. Oh mon dieu. Pourquoi tu me tapes, toi? Pourquoi tu me tapes? J'ai un peu sué. Non, j'ai énormément sué. J'allais mourir 4 fois, là. Et pourquoi ils me visent tous? Non. À l'aide. J'ai survécu. C'est humain, ce que je viens de faire. Dream, c'est moi, Dream. Ok, on va aller essayer d'aller récupérer les loots. Prenez l'or. Donnez-moi des loots, vous, là. Non, pas comme ça. Oh, je suis pas mort. Oh mon dieu, je sais pas comment j'arrive à survivre depuis tout à l'heure, mais j'y arrive. Hein. Bon, dans tous les cas, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mes perles. On va aller chercher une forteresse, on va se barrer d'ici. Hein. C'est bon, ça m'énerve. Je pense avoir trouvé la pire forteresse du monde. Voilà, juste en dessous. Je meurs pas là. Je crois. Ah, j'ai peur. Oh, j'ai envie de tester, mais j'ai peur. Voilà, plus simple. Oh mon dieu, il y a un Wither caché. Je ne l'ai pas vu, il m'a fait flipper. Bon, on trouve le spawner, je bute les blazes, je me barre d'ici, je déteste le Nether, point final. C'est un peu con, mais dans le Nether, il n'y a pas tant de blocs que ça qui spawn. Regardez, là, il y en a un, mais il n'y en a pas énormément. Ah, bah ok, j'ai parlé. The rain is getting heavier. Maintenant, il y a 3 blocs par seconde qui tombent. Tayo! Je suis immortel au feu, bande de gros nulos. C'est trop bien, en vrai, de faire comme dans les animes, sauter et buter les mobs. Ok, j'ai 8 bâtons, ça devrait suffire, je me barre d'ici. Pourquoi il y a de la lave qui tombe d'un coup ici, là? Ok, il y a full lave qui tombe. C'est bon, je me barre. Hop là, bon, allez, on y va. Bon, en vrai, les blocs qui tombent, là, ils sont pas si cheatés que ça, hein. Je suis un peu déçu, hein. On va dodo. Boum, j'ai 16 œils. C'est par où? C'est par là-bas, c'est parti. Ouais, je suis quand même un peu déçu, hein, ça tombe lentement, en vrai, les blocs. Je pensais que ça allait faire une rivière et tout, mais ouais, bof. Et regardez ce que je viens de trouver. Palam palam pam, une entrée secrète pour entrer dans le donjon de... Ah, des creepers! Ok, t'as pas voulu que ça se passe comme ça, mais ça s'est passé comme ça, hein. Pourquoi il y avait 17 milliards de creepers? J'en ai aucune idée. Allez, on trouve ce portail. S'il te plaît, dis-moi que c'est ici, ça fait 5 minutes que je cherche, s'il te plaît. Oui, merci. Ok, il y a des yeux en plus dessus, bon, après ça c'est pas si grave. Alors, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, ça me fait un peu flipper parce que c'est la deuxième fois que je le fais réellement. Ok, normalement j'ai assez de lits pour le buter. Ouf, allez c'est parti, je suis chaud. Oh merde, même dans le Nether ça spawn les blocs. Ok, on active les collisions pour mieux voir l'Ender. Je place les blocs. Voilà, comme ça je pourrais placer les lits. Ok, moi j'y crois. Moi je suis sûr que je peux le faire. Allez viens petit Ender. Non il vient pas en fait. Ah c'est bon, il arrive. Je place un lit, hop. Non, mais il m'a poussé, de quel miracle. Oh je vais te péter la gueule. Ah, j'ai buté l'Under, regardez le portail est terminé. C'était vraiment un combat compliqué, c'est un peu con, le record il a bugué, je peux pas vous montrer. Donc voilà les gens, c'était une vidéo plutôt sympathique à tourner, moi j'ai bien aimé. Oh mon dieu, la gueule de la map. Et encore, hein, là, je pense que ça peut aller encore plus loin. Hein. Vraiment, je pense qu'on peut aller encore plus loin dans le délire du spawn de blocs. En tout cas, c'est une vidéo que j'ai bien aimé tourner. Hein. Elle était vachement cool, elle était marrante. C'était cheaté, mais sans trop l'être, donc c'était plutôt marrant. N'oubliez pas, hein, de me rejoindre sur Twitch si vous voulez me voir faire des speedruns, et cette fois, le faire sérieusement, parce que là, bon, j'étais pas du tout sérieux. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Portez-vous bien, c'était Injax, à la prochaine. Ciao.